visualisation. Waouh, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait une vidéo comme ça. Et bah là, j'ai un petit peu de temps avant que ma fille rentre du travail. Mon mari est parti faire quelques courses. Donc, je me suis dit, allez, un petit quart d'heure, 20 minutes pour avancer un petit peu avec vous. Cette toile, donc le barbecue de la famille Lapinou, comme je l'ai appelé. Alors, vous pouvez constater que j'ai fait une modification. J'avais commencé à la broder sur la toile. Donc, c'est une 11 CT en 50 par 60 bords inclus. En termes de points, elle fait 170 points par 215. Et ce matin, attendez, je me tourne. Ce matin, je m'étais dit, bah, tiens, tu vas l'avancer. Ça fait un moment que tu ne l'as pas prise. Et j'avais fait ces points-là. Voilà, c'est le rendu, hein, les premiers points que j'avais fait avec vous en vidéo, ça rend super bien, hein, je suis contente. Hein. Mais ce matin, quand je l'ai reprise, hein, et ben, impossible d'arriver à faire mes croix. Alors, ça fait un bon petit moment que je n'ai pas brodé de fil soyeux et je n'avais plus du tout mes marques avec... Avec ce fil, je n'y arrivais pas. Franchement, j'y arrivais pas, ça me saoulait. Voilà, j'avais envie de tester en fait le fil sur du 14 CT. Parce qu'on ne trouve pas du tout de kit en fil soyeux en 14 CT. Et c'est vrai que j'avais quand même envie d'essayer. Aïe, je me suis piqué. Donc, eh ben me voilà à la recherche d'une toile de mon stock pour la faire en point compté. Et ben, j'ai trouvé, hein, puisque en 14 CT, ça me fait un... Comment? Ça me fait une toile... Ah, attendez, je suis en train de faire des conneries! En train de faire des conneries. Attendez. Faire deux choses en même temps, parfois nous avons du mal, nous les femmes. Hein. Oui, donc ce matin, je me suis lancée dans la découpe de plusieurs coupons de ma toile Aïda crème en 14 CT. Et donc j'ai tagué la toile pour ce kit des lapinous. Je vais y arriver, hein. Quand je vous disais que j'avais perdu l'habitude, hein, c'est une catastrophe. Alors, est-ce que je vais arriver à le mettre? Donc, j'ai pris par contre une aiguille 26, hein, qui est pour le 14 CT. Et je suis manche, hein. Hop. Voilà. Ouais, bah bien sûr, j'ai pas bien fait. Je suis fatiguée. Et Avanti, je me suis dit, allez, tu commences un petit peu. Hein, tu vas voir ce que ça donne. Alors, clairement, je ne sais pas si je ferai tous mes kits en fil soyeux en 14 CT. Ça a un rendu différent. Attendez, j'ai Fifi qui est arrivée. Elle a ouvert la porte, elle s'est dit oula! J'ai cru que c'était Hulk qui passait la porte. Et elle s'est surprise elle-même par la force avec laquelle elle est rentrée dans la pièce. La force avec laquelle elle a ouvert la porte. Waouh! Ouais, et j'attends, voilà, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner ce petit lapinou. Bon, dans tous les cas, ce kit-là, je le ferai sur la 14 CT. Alors, donc là, j'ai fait. Alors, je vais vous montrer le patron. Je suis le patron, hein, je ne suis pas du tout sur Pattern Keeper. Le patron est grand, il est bien lisible, donc je m'éclate, ça change. Donc, j'ai fait ça. Donc le gris ici, ici et ici. Et j'ai commencé à faire le contour noir. Donc là, je me suis arrêtée là. On va continuer là, 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 voilà. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait.
Ah oui, j'en ai fait un petit peu ici, ben, pour terminer mon fil. Donc ça correspond à ça. Donc j'ai fait ça, ça, les trois là, et j'ai commencé un petit peu là. Tout simplement parce que quand je, avec le nœud que je fais pour bloquer le fil, eh ben forcément après, on ne peut pas enlever le fil de l'aiguille. C'est l'inconvénient. Alors j'ai voulu tester. La façon de commencer de Myriam, hein, et j'ai pas réussi. Je vous dis, hein, c'est pas la joie. Donc, eh ben, je refais ma technique, hein, comme je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Hein. Donc, il y a une vidéo dédiée, hein, je vous la mettrai en i. Comme ça, vous l'aurez. Je suis pas sûre que ce soit bon. Si, ça a l'air d'être bon. Ah! Forcément, il s'est pris le bord du cadre. On recommence. Donc, j'espère que vous allez bien depuis le temps, que vous avez pu avancer vos broderies. Alors, j'ai deux vidéo de déballage à vous faire. Mon mari est en vacances la semaine prochaine. Encore? Mais oui, c'est ce que je lui ai dit. Je fais, mais encore, t'es en vacances? Je m'étais tout le temps en vacances, toi. Et donc, je vous les tournerai. Hein, je pense que j'en ferai une ben, demain dimanche. Oui, parce que je filme, nous sommes samedi après-midi. Voilà. Et puis, donc j'en filmerai un demain que je vous mettrai mardi, je pense. Et puis, le deuxième, ben, dans le courant de la semaine. Voilà. Donc, on est parti. Alors, je sais qu'il y en a deux comme ça. Il va peut-être falloir que je prenne mon patron à côté, hein, parce que on va pas faire de conneries non plus. Alors, je ne sais pas si le côté satiné brillant va vraiment beaucoup se voir. Déjà, par rapport au 11 CT, on le voit moins. Je le vois un petit peu, mais forcément, c'est plus fin, donc ça se voit moins. Ah, je reviens. Ah, excusez-moi, j'avais la goutte au nez. Alors, je prends mon petit patron. Donc, nous sommes ici. Alors, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Alors, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en fait, je dépasse de 2. Ok. Allez, on y va. Alors, par contre, j'ai remarqué que contrairement au 11 CT, il me faut moins tirer sur le fil. Sinon, ça fait des croix moins jolies. Donc, vous voyez, c'est encore une façon différente de broder. Hein. Il est incroyable ce fil. On ne brode pas de la même façon quand on est en 11 ou en 14. Et je suis persuadée que si on fait du 18. Bah, ça doit être encore différent, surtout à un brin. Alors, pourquoi ça c'est... Voilà. Par contre, je me prends moins la tête de savoir si ça brille ou pas. De toute façon, je ne le vois pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a combien là? 8, 9, 10. Ok.
Donc j'espère que vous avez réussi à bien broder, hein. Moi, ça va. J'ai eu des petits soucis avec mes cervicales, hein. Là, il faut que... Alors, je pensais y aller lundi, sauf que lundi, c'est férié, là. Mon mari m'a dit, parce qu'il a voulu aller chercher les croquettes de la chienne chez le véto, puisqu'elle prend des croquettes médicalisées. Et il me fait, ouais, je suis chez le véto, c'est fermé. J'ai mais pourquoi? J'ai qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien de spécial. Et là, il me fait, bah si, lundi c'est férié, c'est lundi de Pentecôte. D'accord. Suis complètement à l'ouest, hein. Et du coup, je pensais aller chez le médecin lundi pour me récupérer une ordonnance pour retourner chez ma kiné pour mes cervicales. Parce que j'ai mon muscle du cou ben, qui a revrillé. Et je m'enquiquine. Voilà. Mais là, j'ai pris un ibuprofène ce matin. J'ai du kétoprofène, mais je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus comment est-ce qu'il faut que je le prenne. Si c'est un ou deux dans la journée. Je crois qu'il y en avait un le soir ou c'est un le matin. Je ne sais plus du tout. Donc j'ai pas pris. Et je prendrai. J'ai pris de l'ibuprofène, ça m'a fait du bien. Je brode un petit peu moins sur la durée. Donc voilà, j'arrive quand même à avancer un petit peu mes choses. Mais c'est vrai que ces derniers jours, ça a été. Enfin, depuis hier, en fait. Ça a été hier ou avant-hier. Non, jeudi. Ça a été un petit peu compliqué. Alors, 4. Ensuite, hop, on remonte. Et là, j'en fais 1, 2, 3, 4. Alors, on va prendre par là. Alors, ce qui est bien, c'est que en ayant pris une toile en 14 CT et une aiguille en 14 CT, eh ben, ça force moins. Donc, c'est beaucoup plus agréable à broder. Bon, après, il faut avoir le temps de faire du point compté, hein, mais voilà, donc on verra ce que ça donne quand j'aurai avancé un petit peu ce lapin. Alors, là, j'ai fait mes 4. Il y a un truc qui va pas. Je suis censée être là. Ah bah oui, j'en ai oublié un là. J'ai oublié un point ici. Ha! Alors là, pour défaire. Eh bien, on va être dans la poignarde. C'est pas là que j'avais fait, putain. Oh, pardon, excusez-moi. Ok, alors il faut que j'arrive à démonter jusque là-bas. C'est cool. Alors, si jamais vous faites des erreurs, hein, surtout. Il faut éviter les erreurs quand on a quand on a le fil. C'est où que j'ai pris? C'est ici, donc il faut que j'enlève là. Quand on a le fil qui est bloqué par le chat, faut faire gaffe. Ok. Ici. Bon, ben comme ça, vous voyez que comment je défais, hein.
toujours en bas en fait. Je ne fais que des bêtises aujourd'hui, hein, avec ce fil. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Alors là, c'est un peu plus chaotique. Parce que... Ouais, alors, t'es trop forte. Hein. Faut bien se lancer les fleurs, hein, sinon personne ne m'en lancera. Hein. Ah, c'était bien sûr pas de ce côté. Bien entendu. Allez, il m'en reste 4. Hop, c'est ici. C'est là. Ça va vite, hein, finalement. Pourvu que ça dure. Je sais pas. Ici. Bon, ça va. Je vais pas crier victoire trop vite parce que j'ai encore 2 points enlevés. Pour une reprise de vidéo blabla, hein, c'est pas tip top. Non. Bon, ça fait déjà 17 minutes que je filme. Et voilà. Donc en fait, là, il m'en fallait un de plus. Et oui, là, on est sur deux, puisque après. Et oui, et oui. Voilà le point qui me manquait. Ce vilain petit point. Donc on recommence. Après là, il y en a 4. Alors, je suis calme, hein, vous avez vu. Bon, disons, cela dit, je me concentre sur mes points. Je me concentre sur mes points. On a fini enfin la saison 7, première partie de Outlander. Et, ou c'était la deuxième partie, je sais plus. Bref, on a fini Outlander. On attend ben, la prochaine saison. Ce sera peut-être la dernière. Et puis, moi, j'ai commencé avant-hier Captive. Et ben, j'ai regardé les... Alors, c'est une mini-série de 6 épisodes. Et j'aime beaucoup. C'est l'histoire... En fait, ça va être la narration par le personnage principal. De sa vie. Elle raconte ça à un psychiatre parce qu'elle a été condamnée à la prison à perpétuité, il me semble. Ça fait 15 ans déjà qu'elle est
qu'elle fait sa peine et elle a été condamnée pour meurtre. Double meurtre. Donc, et là, je suis au deuxième épisode. Ça se passe, je sais pas, fin 19e peut-être. Fin 19e ou début 20e. Mais il est vraiment bien. Alors vraiment, les conditions fait la condition féminine. Enfin, le personnage est vraiment top. C'est très bien expliqué. C'est très bien raconté, en tout cas. Et j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé ce genre de série. Et je voulais une mini-série. Et ben, elle est tombée à pic. Voilà, ça c'est bon. Ça me plaît mieux, ça. Il me disait, mince, mais il te manque un point. Ben oui. Donc, ça, les quatre, c'est bon. Alors, il m'en faut un de plus. Ici. Non, on va pas faire comme ça. Si, on va faire celui-là. Oh, attendez, je réfléchis, hein, parce qu'après, j'ai d'autres points à faire repartir là. Alors, je vais faire. Ouais, je vais faire comme ça pour repartir moi là-bas. Ok. Donc, allez, on est parti. On fait ce point-là. Ce point-là. Je n'ai toujours pas, côté lecture, j'ai pas terminé encore mon troisième tome. Je traîne. C'est un truc de fou. Attendez, hein, je regarde où je suis. Où est-ce que je suis là? Ah non, mais hé, Laure, t'es là-haut. Regarde, t'es là. Donc ça, c'est fait. Je suis là. À force de vous parler, je vais faire des bêtises. Donc. Ça, c'est celui-ci. Hop. Après, j'en ai deux en hauteur. Alors, je commence à avoir. Pourquoi ça fait ça? Christelle, elle s'est posé la même question dans sa vidéo. Elle disait juste de remuer le fil, mais moi, quand je le fais, ça marche pas. Alors, regardez le fil. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé là, mamma mia? C'est pour ça. Alors, attendez. Hop là, voilà. Très fragile ce fil. Donc, nous avons dit. Deux comme ceci. Ensuite, donc ça. Là. Avez vu, je me sers pas de pattern keeper, hein. J'essaye de faire un peu avec du papier. Très bon pour le cerveau, ça. Mais pourquoi ça? Allez. Donc là, il m'en faut trois.
Hop. Alors, je vais faire celui-ci. Sais pas pourquoi tout d'un coup ça. Quel mystère! Ce fil, très joli. Oh, il faudrait que j'aille voir à Centracor s'ils ont du fil étoile. DMC, il me faut du noir. Hop, ouais, mon fils. Hop, alors, ça c'est bon. Les trois sont faits. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pas très régulier tout ça. Donc là, je fais la dernière croix. Dans ce... Oh. Et bien alors... Alors, là, qu'est-ce que j'ai fait? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais en fait, Laure, il fallait que tu viennes. Bon, c'est pas grave. Hein. Je vais faire. Je vais faire celui-là. Et après, je descends. C'est compliqué, hein? Je trouve pas que les croix soient régulières et jolies. Avec le fil satiné comme ça. C'est pas terrible. Bon, après, c'est un. Alors. Non! Et non, puisqu'après, il faut que je descende. Oui, c'est pas évident, hein. Je suis perturbée par le fil. Là. Ensuite. Allez, là, j'en ai trois. C'est que je trouve que les croix sont plus jolies quand je ne brode qu'à une main. Si je fais une main en dessus, aux mains, oh, une main au-dessus, une main au-dessous, eh ben, voyez, les croix sont pas jolies. Que si je fais comme ça. Là, je descends, c'est ça? Oui. Voyez, les croix sont plus régulières. Un truc de fou. On va passer par là plutôt. Il m'en faut combien là? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai ma fille qui arrive. La chienne va aboyer. Ah, punaise. J'ai un nœud. Hein? Deux. Sais pas ce que ça va donner. Hein. On va faire. Je vais faire les deux qui sont là.
Les deux ici. Je vous mets en pause le temps que ma fille rentre. À tout de suite. Bon, allez, on finit le fil. Donc, j'en ai un là. Ah! Voilà. Je sais pas pourquoi il se bloque, hein, décidément. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de travailler ce fil, je pense. Je voulais reprendre et vous voyez... Eh ben, c'était peut-être pas le bon jour. Alors, donc j'ai fait ça, là il m'en reste 3. J'aurais pas beaucoup parlé. Je suis désolée. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo de démarrage, de nouveau démarrage en fait. Alors, 1, 2, 3, 4, il m'en faut 5. Je vais faire les deux qui sont là. Non. Non, parce que j'en ai encore pas mal à faire. Allez. Hop, 5. Ensuite, on descend là et j'en ai beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Alors, on y va. J'en ai 8. On y va. 1. 2, en fait ça accroche là où le fil s'était dédoublé tout à l'heure. Très fragile le fil hein, donc faites vraiment attention. En plus j'ai mon doigt, j'ai un de mes doigts. Vous voyez? Chez Bobo. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là. Et le fil n'arrêtait pas de s'accrocher aussi. Donc. Allez, 4. Là, j'ai le. J'ai le nœud. En fait, je pense que quand le fil tourne aussi. Et du coup, ça fait de l'épaisseur au niveau de la... Au niveau du chat. Ah ! Ça m'énerve. Bon, allez, finissons. Puis j'arrête parce que... Parce que c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. 1, 2, 3, 4, 5... ça. Sept. Huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Mais non, je suis en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Pff, je suis fatiguée, il faut que j'arrête. 8. Là, j'ai bien les 3. Donc là, hop, je monte. Ici, j'en ai 5 à faire. Et après, on peut arrêter. La boucle est bouclée. 1. On disait que ça venait de l'aiguille en 11, mais même avec une aiguille 26 de 14 CT, ça le fait, hein. Aïe, 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 aïe. 3. Quatre. Je force, hein. Un truc de fou. Bon, c'est rien. Si vous entendez du bruit, ma fille fait son gâteau pour ce soir. Elle est de sortie ce soir. Elle doit faire un. Gâteau au chocolat sans gluten. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'en fais un ici. Ça en fera 3. Je fais celui d'à côté. Et du coup, le prochain, il est ici. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Allez, j'arrête le fil. Donc moi, je fais ma technique comme je fais avec mon fil de coton, hein. Ça fonctionne très bien. Voilà. Ouh. Bon, ben voilà ce que ça donne sur ce petit kit. Attendez, j'essaye d'enlever. Le nœud est tellement serré en fait que j'arrive pas à l'enlever. Allez. Bon après on peut l'enlever avec le ciseau, hein, mais. Bon, il n'y a rien qui va. Aujourd'hui, le fil satiné, on va l'éviter. J'ai commencé aussi à nouveau une nouvelle toile, un nouveau patron que l'on m'a offert. Ah, je suis trop contente. Ça faisait très longtemps. Oh, ça faisait plus d'un an. Ah oui. Hop, c'est bon. Ça y est, je l'ai enlevé. Ça faisait plus d'un an que je le voulais, ce patron, et on me l'a gentiment offert. Je suis trop contente. Donc j'ai commencé. Je vous montrerai ça bientôt. Voilà, donc. Les premiers points sur cette toile en 14 CT, donc une Aïda 5.5, avec les fils de satin, enfin les fils de satin, non, les fils satinés, pour cette jolie illustration, voilà, que j'ai eue en kit 11 CT. Donc moi, je la fais en 14 CT. En 14 CT, la taille de la toile est de 40 par 50 avec les bords. Voilà, donc ça fait. En fait, c'est une 30 par 40. Hein. Et là, quand on vous donne la taille de celle-ci en 11 CT 50-60, c'est avec les bords.
Voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, même si je n'ai pas beaucoup parlé. J'avoue, j'étais plus à compter, à réparer ma bêtise. Voilà, je vais continuer hein, cette toile pour qu'on puisse voir quand même un petit peu cette avancée et voir le rendu des fils sur une toile plus fine que du 11CT. Rendez-vous dans le prochain Flosstube, hein, dans la prochaine vidéo des avancées du mois. Voilà, en attendant, écoutez, j'espère que vous allez passer de bons moments de broderie avec vos toiles. Prenez bien soin de vous et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!